Jodia, nous pral étudier un concept qui relève PIB en relation avec PPA. Comment que nous ka défini PIB? PIB, c'est produit intérieur brut. Ok, n'a étudié lui en relation avec PPA. PPA, c'est parité, n'a parité ou est pair ou est comparaison, c'est parité du pouvoir d'achat. C'est deux thèmes sérieux que nous allons aborder aujourd'hui à la dans classe en session. Qui ça, comment que nous avons défini PIB. Avant que nous définissions PIB, ma préférée plutôt, ben nous prenons un exemple. Nous prenons exemple de familles en Haïti. Nous prenons famille Rousseau, lui-même qui vit Jacmel, et puis nous prenons famille Lambert, qui vit Léogane. Tandis que ça me dit, il y a des mettez en quoi là, on les n'a pour mieux comprendre. Rousseau a vive Jacmel, t'es m'écrit Jacmel pour nous cas pas oublier. Et Lambert a vive Léogane. Rousseau, dans fin année, revenu lui, vini 25 000 gouttes. Ça, c'est revenu et famille Rousseau. Pour année à 25 000 gouttes. Lambert lui-même, revenu pâle pour année à, c'est, on dit, 15 000 gouttes. Nous allons garder Kounia. L'on garde bien. On dit que Rousseau fait plus cob que Lambert, ou bien Lambert fait moins cob que Rousseau, parce que 25 000 gouttes, 15 000 gouttes, nous avons 25 000 gouttes plus. Mais pour nous mieux comprendre PIB avec et PPA, gagner deux options, deux concepts, nous allons essayer de garder ensemble. Tout d'abord, nous apprenons point 1 qui c'est standard de vie. Deuxièmement, nous apprenons, nous carré les évaluation ou bien comparaison de la monnaie. Deux thèmes ça yo pral permettre que nous bien comprendre PIB avec PPA. Standard de vie pour regarder li gagner un facteur. Mon facteur peut c'est combien cob on touche. Mais dans cas ça, n'a prendre prix produit, prix même produit a dans deux zones différentes ça. On nous prend exemple, par exemple un sac du riz. On dit plutôt on mamite du riz. On mamite du riz, nous allons regarder prix, les gagnants Jacmel et même du riz ça qui prix que les gagnants Léogane. On nous considérer deux approches. Gagner une approche qui est l'approche approche du ou bien de la mamite de riz. Ou bien nous carrer le tout et l'index de la marmite de riz. C'est même bagaille que yo y qui veut dire même bagaille et approche ça yo pour permettre que nous bien étudier standard de vie avec évaluation de la monnaie. On va effacer ça parce que nous bien en capter lui. On nous considère que Léogane, on mamie Duria, Livan, on dit que Livan 500 goud. 500 goud par mamie Duri. Même Duri, ça, l'on dit que Livan 2500 goud. Non, Jacmel. Pour qu'à évaluer
pour comparer deux sommes, ça, parce que l'on regarde bien là où est en vrai que et Monsieur Jacques et Rousseau fait plus cob que Monsieur Lambert. Mais on regarde cela de vie. Avec 25 000 goudes, combien m'a mis du riz que famille Rousseau a acheté dans Jacques Mel? Avec 15 000 goudes, combien m'a mis du riz que la famille Lambert a acheté dans Léogane? En nous font des mathématiques, 25 000 goudes divisé par 2 500, là-bas où 10 mamites, 10 fois, là, 10 fois là-bas où 25 000 goudes. Tandis que on va prendre même mamite du riz, 15 000 goudes divisé par 500, là-bas où 30. Ça, c'est, on nous dit 500. Ça, c'est comme ça que on va voir que 1 goud dans Jacques Mel pas gagné même valeur avec 1 goud dans Léogane, parce que c'est lui-même tout qui déterminait standard de vie, train de vie, coût de la vie, parce que Mamie Diouri ça, l'écoutait plus qu'Ob, même dire ça. Pendant que nous voyons que la famille Rousseau fait plus qu'Ob, mais ils ont gagné un pouvoir d'achat qui est plus bas par rapport avec famille Lambert. Lorsque vous allez acheter du riz. Nous, ouais, tout, ça c'est standard de vie que nous, est là, et nous, ouais, tout que 25 000 goudes, Jacques Mel, pas gagné même valeur avec 15 000 goudes dans Léogane, et nous, ouais, plutôt que 15 000 goudes, Léogane gagnait plus valeur que 25 000 goudes, Léogane. L'argent variait de zone en zone, de moment à moment. La valeur temporelle de l'argent, dans le cas ça, la valeur géographique de l'argent, donc nous toucher deux points ça. Quand on parle dit, à mon père dit, ça qui est le PIB. Donc, nous avons 25 000 goudes avec 15 000 goudes que femme a gagné, on prend 25 000 goudes ça, tant qu'on PIB. PIB à lui-même, lui, c'est un facteur, lui, c'est un indicateur de dépenses, de revenus, de sortie, de tout bien avec service qui produit en dans un pays. Dans le cas de famille Rousseau, 25 000 gouttes ça lui-même, c'est revenu que lié, c'est ça que lui fait. Nous avons considéré dans le cas d'Haïti, comme on paye IB. Parce que 25 000 gouttes ça lui-même, c'est un indicateur de performance économique de famille Rousseau, ou bien 15 000 gouttes là, c'est un indicateur de la performance économique de famille Lambert. Pour nous retourner dans la vraie définition PIBA, PIBA lui-même, c'est un indicateur encore qui déterminait performance économique de un pays, deux pays, dans un temps spécifique, généralement dans un temps annuel. Chaque année, ou après que Haïti lui dit, mais qui valait PIB là. Et ou après tout que dans PIB, il parlait de taux de croissance qui fait de 1 année par rapport avec une autre année. Supposons par exemple qu'en 2019, PIB Haïti a été 13%, ou bien on dit 25 000 gouttes. Est-ce que l'augmenté dans l'année 2020, 2021, est-ce que gagner en croissance ou bien gagner en réduction? Si que gagner 4% de croissance, donc 2021, là 17%. Depuis que ça c'est par rapport à que lié, c'est par rapport avec l'année précédente. Mais on parle ouais, tout généralement, ou après qu'on dit que on GPD on pays, c'est on dit 250 000 gouttes. Ça, c'est une valeur nominale que lié. Et Léa Moutel qu'on a pour dit que année ça, l'autre année, eh bien, living 200, on dit 280 000 gouttes. Il dit que par gagner, on augmentation, et chiffre ça n'est pas réel, de, on dit de 4%.
c'est comme ça que nous ouais que et nous parler de et nous qu'a défini produit intérieur brut. Kounya, comment que nous qu'a défini Kounya, deuxième, qui c'est parité du pouvoir d'achat, aussi simple. Pour qu'a défini ça, en peu de mots, c'est combien produits que ou qu'a acheté avec valeur cob que ou gagne. Ça, c'est première définition. Hein. Combien produits que ou qu'a acheté avec G, avec PIB ou A. Mais qu'on y a là, pour qu'a déterminer parité et parité A, ou comparer avec un autre pays, combien produits pour qu'a acheté en Haïti avec valeur cob qu'on gagne avec GP dollar, avec combien produits que pour qu'a acheté aux États-Unis, même produit ça, avec valeur GPD que ou gagne. L'aime dit GPD et parce que me voulais tout dire en anglais qui c'est Growth Product Development. Si me dit mal, pareil, excusez-moi pour ça. Mais dans le cas ça là, nous ouais qui que nous définis pour PIB et parité pouvoir d'achat. PIB à lui-même, c'est performance, m'a écrit en abrégé économique, tandis que PPA lui-même, lycée ont appliqué une approche de panier de biens et produits ou bien services. On nous prend nos quatre gougnats dans l'autre pays, deux pays d'ailleurs, par exemple, on prend États-Unis avec Japon. États-Unis avec Japon, nous allons étudier PIB de pays ça. Nous allons prendre des chiffres fictifs, non chono, pour nous mieux comprendre. On nous considérait que États-Unis, les gagnent en écrit, en fait, comme ça plutôt, USA, les gagnent en G, en PIB, qui c'est 16 dollars. Nous prenons un chiffre petit pour ne pas perdre du monde dans le calcul. Et puis nous prenons Japon, qui gagne un PIB de 18 dollars. Regardez bien là, vous voyez que Japon gagne un meilleur standard de vie, un meilleur train de vie, parce qu'il gagne un GP, un PIB de 18 dollars. Tandis que nous gagnons États-Unis lui-même, qui uniquement gagne un PIB de 16 dollars. Ça, c'est comme ça que nous voyons, ça, c'est définition PIB, c'est performance économique pays États-Unis, lui-même généralement qui sortit un PIB, un réel de PIB chaque 4 mois. Japon, Haïti, Canada, yo même c'est chaque année que yo fait. En nous, qu'on y a gardé, nous allons définir pour vous ça qui relève parité pouvoir d'achat. Gagner un principe économique qui relève l'index, ou bien en anglais pour vous, Big Mac Index. Ça, c'est simple lié. C'est combien Big Mac ou qu'a acheté États-Unis avec valeur cob que États-Unis gagnent comme PIB et combien cob qu'a acheté même Big Mac ça dans Japon avec valeur cob que Japon gagne. En nous garder Kounia, encore une fois, un prix fictif. Supposons que États-Unis, on écrit la Kounia, Big Mac. Supposons que États-Unis, un Big Mac coûtait 2 dollars. Combien Big Mac que États-Unis a acheté? Il a acheté 8 Big Mac. L'on prend 16 divisé par 2, Libaou 8. En nous cas de Kounia, prix en Big Mac et Japon, lycée 6 dollars. Combien Big Mac que ou ka acheté avec 18 dollars comme PIB dans Japon? 18 là-bas où
3 Big Mac. Li ba ou 3 Big Mac. Donc, on y a là, comment que vous pouvez essayer de comprendre ça? Donc, où est que États-Unis gagne un meilleur train de vie lorsque vous faites une parité de pouvoir d'achat? Mais lorsque vous êtes uniquement gardé en valeur nominale, vous êtes gardé qui j'en et PIB Japon, vous avez dit, oh, Japon plus gros pays que États-Unis parce que vous gagnez $18, États-Unis gagne 16. Mais quand vous local, vous avez regardé comment chaque grain monde vive, ça que pays ça a fait avaler comme ça, ou après que États-Unis a fait plus passer Japon, quoi que le gagne moins. Parce que États-Unis gagne en abondance Big Mac, tandis que parce que les rives Japon qu'on y a n'ont pas consommation qui fait, ou après que va prix aller augmenter. Pour quelle raison prix ça augmenter? Nous parlons entre qu'on y a dans une autre option qui c'est taux d'échange. Plus particulièrement, nous avons parlé de foreign exchange qui c'est forex. Côté que 1 dollar États-Unis pas gagné, il n'y a pas 1 dollar dans l'autre pays. Côté que 1 dollar États-Unis, dans le cas ça, nous gagnons 1 dollar États-Unis, lui-même qui à peu près 3 dollars, 3 yens. 3 yens ou bien 4 plus que ça tout, dans le pays Japon. Donc pour gagner 1 dollar États-Unis, on a besoin de plus yens. C'est ça qui fait que le dollar lui-même lui varie. Et qui fait que un Big Mac les coûte 3 fois en plus. Donc si que on a besoin de déterminer parité ou bien parité de pouvoir d'achat entre un PIB de 16 dollars à un PIB de dollar ou bien un prix Big Mac suivant approche que nous gagnons c'est Big Mac index, c'est que au pral qu'on a après que différence à lui-même c'est entre 2 avec 6 que lié. Donc c'est-à-dire que gagner 4 gagner 4 dollars de différence aux États de différence entre États-Unis et Canada. Gagner 4 dollars de différence, c'est là qu'on y a, nous allons rentrer dans un autre type de catégorie de PIB qui est le PIB par habitant, qui veut dire que combien corps on moun États-Unis touché par rapport avec un monde qui au Japon. On nous finit classe ça. Nous est que très 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 souvent, les a parlé de économie d'Haïti, yo comparé en dollar américain. Les Haïti a recevoir un don, yo toujours bail en dollar américain. Mais on nous ouais raisonnement, c'est parce que yo fixé un dollar national. Si que yo t'ap basé sou valeur cob Haïti gagne comme GPD, li te ka wo net net. Mais si que li wolet avec kounya t'ap prêté uniquement pour Haïti, kounya fè ou comparer li avec dollar américain pour ouais combien dollar ça li vaut. C'est pour ça que en Haïti, ou après que tout économiste yo, tout gros indicateur yo pour yo ka déterminer économie, performance économique d'Haïti. Je dis que un haïtien a vivre avec moins que $1.50 par jour. Si que ou pas gagne aucune notion de PIB avec PPA au départ, moi exprime nous lit en peu de mots produit intérieur brut qui c'est en performance économique de un pays dans une année spécifique ou bien dans un temps spécifique. Et puis nous gain parité de pouvoir d'achat, c'est comparaison de même produit à dans deux pays différents. Nous te prenons comme ça un exemple dans deux villes différentes côté que 25 000 goudes ou qu'a acheté uniquement 10 mamies du riz avec lui pendant que à 15 000 goudes ou qu'a acheté 30 mamies du riz. Ça encore c'est pour qu'a déterminer train de vie, standard de vie gain dans société. Et pour carrément tout comment l'argent li varie de pays à pays, de zone en zone. C'était avec vous, professeur Rousseau, classe en session. Jodi a nous te parlé de PIB en relation avec PPA. Merci.
À la prochaine.